la spécificité de ce film, c'est que nous sommes des comédiens de théâtre et qu'on a voulu ouvrir notre petit lieu à du cinéma pour qu'on ait eu l'impression qu'il y ait une fenêtre. C'est quand un lieu est très très petit pour survivre, on a besoin de respirer. Donc le cinéma était une idée de d'ouvrir notre théâtre au plein air. Mais c'est à peu près tout pour le côté particulier de ce film. Mais donc je vais donner la parole à Bernard qui va lire le petit formulaire que je vous ai donné. Une espèce de polar dépouillé et un peu déjanté, avec des gens sous influence. Le film raconte la journée d'une femme moyenne, d'âge moyen, qui tient un stand de babioles à vendre devant une maison abandonnée au milieu de nulle part, au milieu des salins de Gruissant. Mater Toxicorum, c'est son nom, voit défiler ou échouer à son stand plusieurs personnages en perdition qui tisseront peu à peu la toile de fond de cette tragicomédie. Merci. Préservatif recyclé pour un développement durable, dépêchez-vous. Dans quelques mois, on comptera 12 000 malades du sida. Nous sommes les 10e en Europe. Le président de la République a participé au congrès sur le sida. Il a assuré que le gouvernement et son parti étaient en bonne santé. Voilà 1000. Merci, madame. À demain. Pour un collègue. Oh, c'est quoi ça encore? Une zombie filante. Raconter toute l'histoire de ce film, mais nous avons abouti ce projet de A à Z et c'est ce qui comptait pour nous. Voilà, et je remercierai toute cette équipe qui malheureusement n'est pas au complet, mais parce que voilà, maintenant il y a une trace d'acteurs, de comédiens de théâtre au cinéma, il y a une trace aussi d'une pièce et sachez-le, donc des fois les gens qui sont connus peuvent aider à faire connaître d'autres gens et c'est ce que j'aimerais aussi faire par le biais de ce film. J'aimerais que voilà, il y ait des traces de notre travail ici, dans le sud de la France, qui est quand même un midi qui n'est pas reconnu. Et depuis des siècles et des siècles, les gens viennent s'essayer ici et repartent ailleurs. Moi, j'aimerais qu'il y ait vraiment des traces qui puissent perdurer, quoi, des artistes, que ce soit des techniciens, pour le cinéma, pour la comédie, pour le spectacle vivant. Et là, on a essayé de regrouper un peu aussi plein d'artistes et des musiciens et des techniciens, des gens de l'image. Je suis très, très fière de l'avoir fait. Et merci à tous. C'était marqué un film de Jean-Paul Jobin réalisé par Stéphane Kowalczyk. Donc, bravo. Généralement, quand on dit deux, c'est du réalisateur. Donc, il faut nous expliquer ça, je pense. Comment ça se passe, la genèse de... Moi, je suis un amuseur, donc je ne suis pas un metteur en scène, ni connaisseur de ces choses-là, donc un théâtreux, un amuseur. Ah oui. Voilà, et puis ça a commencé bêtement par ce festival du rire que je voulais créer sur Aubryan, que j'ai créé d'ailleurs. Et pour cela, on m'a demandé, tu n'aurais pas, on ne pourrait pas trouver un film où... J'ai dit, je vais essayer de chercher quelque chose, parce qu'au départ, c'était Pierre Maguelon, le regretté Pierre Maguelon des Brigades du Tigre, qui est un ami et qui devait participer à ce festival. Donc, Pierre étant disparu, j'ai dit, écoute, à sa mémoire, je vais essayer de filmer
quelques petits sketchs, parce qu'on en avait l'idée tous les deux, et ils devaient participer à ces sketchs, tout ça. Donc on a recréé un univers de bistrot de la région. On a dit, on va faire quelques sketchs qui se passent à la terrasse d'un bistrot. C'est parti bêtement. Et puis, le metteur en scène de ces sketchs n'étant pas disponible tout le temps, on en a tourné 5 ou 6, que vous verrez au début d'ailleurs, qui a été fait par un autre metteur en scène. Et je me suis mis en rapport avec Stéphane, qui a bien voulu prendre le relais, la suite. Il nous a fallu trouver un lien pour faire un film un peu plus important. Donc j'ai écrit à mesure, on l'a fabriqué à mesure. Mais comme on dit, enfin comme je dis maintenant, c'est vrai que le cinéma c'est un peu comme les cacahuètes, c'est tissus. On a envie toujours de dire, ah ouais, si on faisait ça. Et comme j'ai plein de copains comédiens, je les ai fait tous jouer. Donc on s'est fait plaisir. Et c'est vrai que c'est un film fait par les bonnes volontés associées. Hein. C'est BVA qui a fait ça. On n'a pas touché un sou, personne n'a été payé. Et si j'en fais un autre, là c'est juré. Ils auront le double. Je leur donnerai le double. Vous n'avez pas grand monde, hein? C'est un peu comme moi à la terrasse du café à cette période. Mais je fais pas le régime, hein? Donc je m'accuse, mon père. C'est ce monsieur-là. Ah, ça suit, hein? Descendante de Pierre Ivanovitch Romanov. C'est décidé. Je me marie. C'est comme un ange. Ça glace, hein? J'ai entendu dire que c'était pas mal, Internet. Mais au regard, j'écoute. Maintenant, ils font des rencontres sur Internet. Les voix du Seigneur ne sont pas toujours impénétrables. Oh. Là, je suis en main, en clientèle. Allons, t'y attends, celui qui s'est évadé de prison. Un ange, mais à l'envers. C'est quoi votre film, hein? À tout à l'heure! Vous avez raison, Félix, hein? J'ai besoin d'oxygène, on rentre à Paris, moi. Oui, laissez ça, cassez-vous, hein! Je l'ai vu à la télé, avant-hier. Les tantopingers. C'est ça, ta vache santé. Chapeau, l'artiste. Ah. Oh! C'est Jessie Malo. C'est tous les jours comme ça, madame, c'est le sud, ici. Et quand il vient livrer, hein? Il vient pas pour rien. Cocu, pas cocu. Et si tu veux, après, on se prépare. Et à 18h, on va sur le tournage. Le vrai cinéma, il est là. Ça pète de partout. Que passe? Des cathares. C'est pour ça, mon père, que je suis venu aujourd'hui vous demander l'absolution. Oh, oh, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Attends! Attends! Viens, viens!